Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler financement des tracteurs. Donc sur la ferme, vous avez vu, on a trois jolis tracteurs. Donc le 724, alors lui il va avoir 3 ans en fin d'année. On a le 313 S4 qui a eu 5 ans en début d'année. Nous on l'a maintenant à côté du 313 One. Alors lui il a eu 3 ans en début d'année. Sur une exploitation comme la nôtre, donc on a le 700 qui va faire les travaux lourds, des compactages, des chômages, du transport, et ensuite on a les 300 qui vont faire tous les autres travaux, que ce soit des préparations de sol, du binage, de la plantation, de la récolte. Alors c'est vrai que c'est des tracteurs qui font beaucoup d'heures, mais dans une période assez restreinte, mine de rien, mais ça coûte très très cher. Et ça, comment on s'organise pour financer des tracteurs comme ça? Sur l'exploitation, moi depuis 2014, avec le premier 210, j'ai choisi de financer les tracteurs en système crédit bail. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire le crédit bail? Là, c'est vraiment le moment de poser toutes vos questions dans les commentaires. Le tracteur, on le paye une certaine somme. On finit de le financer sur la durée qu'on a choisie. Moi, sur les tracteurs, il y en a deux qui sont 5 ans, un qui 7 ans. À la fin du contrat, on a une valeur résiduelle. Donc, c'est-à-dire ce qui reste à payer du tracteur. Moi, alors, on va en parler, mais moi, quoi qu'il en soit, chaque tracteur, je deviens systématiquement propriétaire de la valeur résiduelle à la fin du contrat. Et ensuite, une fois propriétaire, soit je peux décider de garder le tracteur ou soit de le renouveler. Alors, certains vous disent, quand vous faites un crédit bail, vous êtes marié avec la marque. C'est faux, parce qu'une fois qu'on est propriétaire du tracteur, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de le revendre, d'acheter un rouge, un bleu, un violet, un turquoise, on fait ce qu'on a envie. Le crédit bail a certains avantages. Par exemple, sur l'exploitation, ça va créer de la charge plutôt que de créer de l'endettement et de l'amortissement. Ça a plein d'avantages. Aujourd'hui, c'est vraiment le moment de poser toutes les questions qui vous viennent en commentaire. Et on aura la chance, dans quelques semaines, de pouvoir vous répondre en direct sur l'exploitation avec une personne de chez Agco Finance. Bon les amis, cette fois, c'est votre moment. Vous posez toutes les questions qui vous passent par la tête. Questions intelligentes. Et promis, on va y répondre en toute franchise avec la personne responsable de chez Agco Finance. Allez, on compte sur vous. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.